Il a été on ne peut plus clair. En amont de sa visite new-yorkaise qui devrait se dérouler les 18 et 19 septembre prochains, le prince William a tenu à mettre en garde la presse locale. L'unique raison de son voyage outre-Atlantique est l'organisation des prix Earthshot, une initiative caritative qui récompense chaque année des ingénieurs et des chercheurs qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Très engagé pour la planète, l'époux de Kate Middleton est l'instigateur de cet événement qu'il organise depuis 3 ans à New York. Grâce au prix Earthshot, les vainqueurs de l'année 2021 ont pu protéger de la destruction ou restaurer 7,000 hectares de terre, 2,1 millions d'hectares d'océan et ont réduit la production de déchets de 40,000 tonnes. Et quand le prince William s'adressera aux journalistes d'outre-Atlantique, il ne veut être questionné qu'à ce sujet. Dans un article paru dimanche 10 septembre, le New York Times a pourtant souligné l'intérêt de toutes les grandes chaînes américaines pour l'héritier du trône du Royaume-Uni. Surtout après les confessions de son frère cadet dans ses mémoires intitulées « Le suppléant ». Mais contrairement à l'époux de Meghan Markle, le prince William n'a pas prévu de faire étalage de ses sentiments. Il illustre ainsi la sempiternelle devise des Windsor, « Never complain, never explain ». Supérieur à Kate et William, David Beckham, tapis, vert, de star à Boston Earthshot Prize Award. Le prince William, plus populaire que Joe Biden aux USA selon un récent sondage communiqué dans le New York Times, le prince William serait l'une des personnalités les plus populaires aux États-Unis, et ce devant son frère cadet, le prince Harry, mais aussi devant Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Le fils aîné de Charles III serait même plus populaire que Joe Biden. Une information qui aurait satisfait l'époux de Kate Middleton, qui tâche pourtant de garder la tête froide pour préparer au mieux le grand événement que sera la 3e cérémonie des prix Earthshot. Article écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo, agence.